Bonjour et bienvenue à Rio de Janeiro. Son soleil, ses cocotiers. Ça fait 2 jours que j'essaye de voir la terrasse et 2 jours qu'il pleut. Ça arrive, c'est pas tout le temps comme ça, mais c'est aussi Rio de Janeiro avec son dérèglement climatique. Donc voilà, je suis Sébastien Lièvre, alias Lama Touplaine, ou Lama Touplaine, alias Sébastien Lièvre. C'est comme vous voulez, ça n'a aucune importance. Je fais partie du temple bouddhiste de Recreio dos Bandeirantes, à Gente da Praia, à Rio de Janeiro. Et aujourd'hui, c'est Connaissance du monde, un nouvel épisode, qui va être sur l'hypnose. Alors, Connaissance du monde, pourquoi? Parce que tout simplement, c'est toujours mon voyage que je vous raconte, et les images que je vais vous donner, ce sont les images de ce que j'ai vu. Bien sûr que si vous faites le même voyage, il est possible aussi que vous puissiez faire des... que vous puissiez avoir des expériences qui soient différentes. La mienne n'est pas meilleure qu'une autre, je fais juste que la partager avec vous aujourd'hui, et ceci dans le cadre du temple. Donc, je vous rappelle que le temple, c'est aussi une formation en ligne hein, sur la gnose, qui est faite par Pascal. Ce sont aussi des moments qui peuvent être en présentiel ici, à Recreio dos Bandeirantes, et c'est un temple qui se veut de toute communauté, qui est bouddhiste centralement, de la lignée Dzogchen, hein, dont je vous ai déjà parler d'autres fois, et puis surtout qui se veut ouvert un petit peu à tout. C'est pour ça que moi je m'occupe du taoïsme. D'autres personnes s'occupent par exemple du côté un petit peu plus indien ou du bouddhisme comme le fait Pascal. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'hypnose, ce phénomène d'hypnose qui est autour de nous, qui est en nous. Et j'ai commencé par ce titre-là qui est Le monde est et a toujours été sous hypnose. Je pense que le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui, et à mon avis, ça fait pas mal de temps qu'il est comme ça, est un monde qui crée une forme d'hypnose sur notre psychisme. Et je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment cela fonctionne. Donc, c'est très drôle parce que Inception est un film qui m'avait parlé, mais je ne savais pas encore comment. Or, Inception, je vous rappelle, hein, c'est pénétrer. C'est DiCaprio, c'est de pénétrer dans l'esprit de quelqu'un pendant son sommeil et de lui faire vivre quelque chose et de rentrer dans le rêve de cette personne. Et ce qui est très intéressant, alors tout ce que je vous raconte, hein, souvent des fois, c'est pas des connaissances que j'ai depuis très longtemps. J'ai les idées et je vais les chercher ensuite sur Internet et je les remets en place pour vous les présenter. Donc le docteur Fares, c'est pas quelqu'un que je connais, je le connais que depuis 2 jours et je vous invite à lire ce qu'il a écrit en 1898. Donc, ce docteur Fares, c'est un spécialiste en hypnose de l'école freudienne. Et en fait, il va vous expliquer que pendant le sommeil, il est allé soigner les gens de leur maladie mentale. Et vous verrez que c'est très, très intéressant de comprendre comment cela se passe et de comprendre aussi comment on en est là aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, vous avez l'hypnose du monde parce que le monde crée une hypnose sur nous. Et puis, vous avez à l'intérieur de cette hypnose une autre hypnose qui est créée par ceux qui ne veulent pas forcément du bien, mais qui font partie de la réalité d'aujourd'hui, avec raison sûrement, et qui sont totalement dans la lignée de Fares, qui, à mon avis, a dû pas mal leur donner d'idées. Donc, pourquoi, oui, donc ce livre hein, dont je vous parle, pardon, de Fares. C'est un livre qui traite du sommeil et de comment on peut influencer les personnes quand elles sont dans un état de sommeil. C'était donc un spécialiste de l'hypnose, hein, ce monsieur, un médecin. Je reviens. Pourquoi est-ce que je vous dis que le monde est une forme d'hypnose? Eh bien, tout simplement parce que déjà au niveau des vieilles civilisations, des vieilles connaissances. Ça fait déjà longtemps que l'on parle de ce phénomène d'hypnose. Si on revient à Platon, il parle du côté Maya des choses. On va le retrouver aussi hein, chez les Indiens d'Amérique du Sud, qui vont vous parler que le monde est Maya. Maya, ça veut dire plusieurs choses. Dans certaines religions, mais il y a plusieurs sens, hein. Dans certaines religions, Maya est le voile qui est sur le monde.
mais c'est parfois aussi le mensonge. Donc voilà, Maya, vous allez pouvoir le retrouver sous plusieurs formes en fonction des traditions, mais ce qui en ressort à chaque fois, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose autour de nous qui nous empêche de voir une certaine réalité, ou peut-être tout simplement qui nous plonge dans un rêve d'une autre réalité. Donc Platon, c'est ce dont il va vous parler quand il vous parle, donc quand on parle de la grotte de Platon, puisqu'en fait, il vous parle de personnes qui sont enfermées et enchaînées au fond d'une caverne, avec une lumière qui est projetée et des ombres qui sont projetées sur le mur. Et ce que voient ces personnes, ce sont en fait juste les ombres. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il l'a tiré de Pythagore. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais la petite histoire dit qu'il raconte qu'il a acheté un livre des anciens disciples de Pythagore, qui déjà, Pythagore, faisait ses réunions avec ses 28 apôtres dans une caverne aussi. Et Pythagore lui-même l'avait tiré d'un autre enseignement. Donc vous voyez, c'est un petit peu pyramidal, mais au bout du compte, ce qu'il faut retenir, c'est ce message. Et ce message, on le retrouve aussi dans les Indiens d'Amérique du Sud, on le retrouve aussi à Hawaï, et on le retrouve notamment dans les livres qui vous parlent de l'Oponopono. Alors, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais depuis quelque temps, dans le temple, on essaye de vous sensibiliser au côté inversé du New Age. Et avec l'Oponopono, on est vraiment dans une inversion. Alors là, je fais une petite parenthèse, hein, parce que c'est vrai que je sors un petit peu du sujet, mais c'est juste pour vous montrer aussi quelles ombres on vous projette sur les murs. Le rêve dans le rêve. Et Ho'oponopono est une des ombres qu'on vous projette. On est bien loin de ce que les Indiens, ou du moins les indigènes polynésiens, avaient donné comme information. On l'a inversé. Donc vous allez voir, je vais vous faire une petite incrustation dans la vidéo de l'Ho'oponopono, tel que je le trouve dans un livre. Et puis en face, je vous ai fait une autre colonne où, pour moi, devrait être la vraie réalité d'Ho'oponopono, qui essaye de vous poser le fait que tout est Maya et qu'il faut essayer de changer notre façon de voir les choses et qui vous explique pourquoi c'est Maya. Donc, ce message du bocal, parce que voilà, si vous revenez un petit peu sur la vidéo que j'ai fait il y a quelques jours qui vous parlait du bocal dans lequel on vit, et en fait, on voit à travers un bocal et on voit pas très bien. Bon, ben voilà, c'est exactement la même façon de présenter les choses, avec des ombres qui sont projetées sur un mur, et bien sûr, vous ne voyez absolument pas l'objet. Donc, nous vivons bien dans un rêve. Or, ce rêve, cet état d'hypnose, si vous regardez bien, comment les personnes qui pratiquent l'hypnose mettent les autres en état d'hypnose? Eh bien, en fait, vous allez voir que je prends un pendule, par exemple, et je fais gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Eh bien, ce gauche-droite correspond un petit peu au 0 et au 1. Je vous rappelle ce que je vous ai dit dans une autre conférence. L'informatique, ce sont des 0 et des 1. Et avec des 0 et des 1, on a réussi à créer un monde totalement virtuel qui est splendide de par ses couleurs, de par plein de choses. Donc l'informatique avec 0 et 1 a créé des images, a créé un monde. Je vous mets une petite incrustation, de Flight Simulator, parce que c'est un jeu que j'adore. Hein. Je suis un peu fan d'aéronautique, ou du moins je l'ai été. Et vous allez voir ces couleurs, c'est vraiment splendide. Tout ça avec des 0 et des 1. Or, dans une des conférences précédentes, je vous ai expliqué que le yin et le yang ensemble, crée le monde, les mouvements du monde. Et ensuite, il y a toutes les couleurs. Toutes les couleurs, vous pourrez les retrouver avec les planètes, avec les astres qui sont au-dessus de nous, hein, au niveau des étoiles, des constellations. Ça, c'est ce qui est au-dessus. Et puis, si vous regardez en bas, vous avez toutes les céréales, vous avez tous les poissons, vous avez une immensité de possibilités. Donc, ces cycles de 0 et de 1, crée le monde, crée le rêve, parce que quand on passe de on, off, on, off, on, off, on, off,
un système d'hypnose se met en place au niveau de votre cerveau. Et ça, on peut l'expliquer, je ne l'ai pas marqué, mais avec les ondes du cerveau. Un cerveau qui est en hyperactivité. Donc, je reprends juste mon petit papier parce que j'ai les chiffres exacts, parce que je les ai notés. Voilà. Quand vous êtes en onde bêta, vous êtes à 14 Hertz par seconde. C'est 14 Hertz, c'est des secondes moins 1. Donc, ça veut dire qu'il y a un cycle au niveau de vos neurones qui fait on-off, 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 14 fois par seconde. Et puis ensuite, à chaque fois que vous allez avancer au niveau d'une entrée en sommeil, eh bien en fait, vous allez descendre petit à petit ce mouvement. 0, 1, 0, 1. Jusqu'au sommeil où on est à peu près à 1 Hz. C'est-à-dire qu'en fait, on est à 1 jusqu'à 4 fois par seconde, ce 0, 1, 0, 1 au niveau des neurones. Et là, vous êtes dans le sommeil. Donc, en fait, l'hyperactivité est vraiment un on-off, on-off, off-off, qui est très rapide. Là où les ondes delta du cerveau, quand vous êtes en sommeil profond, c'est plutôt tic, 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 tic. Et tout ça a un impact sur la façon dont vous allez appréhender le monde qui est autour de vous. Le principe de l'hypnotiseur, c'est soit que vous suiviez sa voix qui va se ralentir et vous vous collez sur sa voix. Ça, c'est une technique. Ça vous approche d'un ralentissement au niveau du cerveau. Ou alors, vous avez une autre technique hein, qui est utilisée en hypnose ericksonienne, qui est plutôt de vous dire, OK, sentez votre pied, sentez votre doigt, sentez votre main, sentez le là. Donc, en fait, on est dans un mode soit yin, très lent, soit yang, très rapide, de vous emmener dans un état différent. Parce que oui, cet état d'hypnose, il peut être provoqué aussi bien par un pendule qui va très vite que par un pendule qui va doucement. Le principe le plus important à comprendre, c'est que je vais focaliser mon attention sur cette chose-là. Et c'est là que l'hypnose s'installe d'autant plus facilement. Voilà, comprenez bien ce principe d'hypnose du monde qui est autour de nous, sauf que autour de nous, les cycles, qu'ils soient solaires, hein, le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, bouh, je commence à avoir les yeux qui tournent, ces cycles vont créer ce phénomène aussi d'hypnose, puisqu'en fait, vous passez d'une chose à une autre. Le matin, vous vous levez, le soir, vous vous couchez. Et ce système-là est aussi un oscillement qui crée, je pense, hein, ça n'engage que moi, ce phénomène d'hypnose à la vie. Alors, ce qu'il faut comprendre, hein, c'est que, j'y viendrai après, c'est comment on peut induire encore plus d'hypnose dans les personnes, c'est-à-dire créer encore une deuxième hypnose à l'intérieur de l'hypnose déjà du grand tout. Et on y verra après. Et c'est ce que je vais appeler le rêve dans le rêve. On est vraiment dans Inception. Hein. Inception, c'est rentrer dans le rêve, du rêve, etc. Et on descend dans les paliers au point où il a peur de ne pas pouvoir s'en sortir. Et c'est exactement ce qui va arriver au bout du compte à ceux qui essayent de nous emmener dans des rêves, dans leurs rêves. Alors, pourquoi ils font ça? C'est une bonne question. Je pense que c'est ce que je vous expliquais aussi une autre fois. C'est que nous sommes dans une activité au niveau des cycles bien particulière. Cette activité privilégie l'hypermatérialité. Et cette hypermatérialité, eh bien, privilégie une certaine catégorie de la population et notamment privilégie le pouvoir. Donc, les choses étant parfaites, les personnes que nous avons autour de nous aujourd'hui qui sont au pouvoir sont les personnes qui sont dans une hypermatérialité. Et qui vont se prendre pour Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont chercher à vous hypnotiser comme Dieu l'a peut-être fait pour X raisons, et ils vont vous créer du rêve à l'intérieur du rêve. Ça aura un temps. Je vous rappelle que Yang est court, donc cette hypermatérialité va très vite tomber. Par contre, vu qu'elle est très puissante,
hein, le yang au niveau de la matière, c'est quelque chose de très très fort, eh bien, ça va être très difficile. Et c'est ce que dit un petit peu Pascal aussi, c'est que l'éveil pour moi, c'est quoi? C'est juste essayer de sortir de la grotte. Ou comprendre, tout simplement, qu'on est dans une grotte. Parce qu'on n'est pas obligé de sortir de la grotte. Dès qu'on comprend qu'on est dans la grotte, on sort de la grotte. Yin, yang, même face, une chose. Vous comprenez que vous êtes dans une grotte, hop, vous sortez de la grotte. Et plus vous comprenez la grotte, comment elle fonctionne à l'intérieur, dans le piège, dans le rêve, et plus vous sortez du rêve. C'est un mécanisme qui se fait de façon spontanée. Ce n'est pas quelque chose qui est réfléchi. Dès que vous réfléchissez, c'est votre mental qui prend les manettes. Et alors là, vous rentrez encore plus dans la matière. Hein, puisqu'en fait, votre ego, votre mental, c'est ce qui vous sert à jouer dans le jeu. Et si vous lui donnez trop d'importance, si c'est lui qui dirige, eh bien, vous rentrez encore plus dans le jeu. Alors, pourquoi on en est là? Eh bien, tout simplement parce que les énergies autour de nous nous invitent, en ce moment, à rentrer dans une hyper-matérialité. Et donc, au pouvoir sont arrivées ces personnes-là. Comment est-ce possible et comment on va créer ce rêve à l'intérieur du rêve? Comment font-ils? Eh bien, c'est pas si compliqué que ça. Vous avez compris que c'était une forme d'oscillation, on, off, on, off, on, off, ou ça peut être on, off, on, off. Donc il y a deux façons de le faire. Donc en fait, on va pouvoir créer ce rêve à l'intérieur du rêve de deux façons. Soit en augmentant le nombre d'oscillations, et là vous vous focalisez sur ça, soit en le ralentissant et vous vous focalisez aussi sur ça. Donc, nous allons avoir des rythmes. Ces rythmes qui vont vous être imposés. Donc, vous levez le matin pour aller au travail, manger à telle heure, faire son activité de sport à telle heure. Voilà, tous ces rythmes-là qui vont vous être imposés par les sociétés sont des rythmes qui créent une hypnose. Je vous rappelle, on, off, repos, travail, de façon rythmée. Si c'est un petit peu plus erratique, ben, ça vous sort un petit peu de votre état d'hypnose. Donc plus c'est rythmé, mieux c'est. On vous libère, on vous réenferme. On vous relibère, ah, on vous réenferme. Donc voilà, ce phénomène-là d'oscillation assez rapide est quelque chose qui va créer un état d'hypnose. On peut le faire aussi avec les ondes. Donc tout ce que raconte Pascal au niveau de la psychotronique, c'est une forme de création d'hypnose qui va vous plonger dans un certain état. Et comme le dit très bien le docteur Farès, eh bien, quand vous êtes dans cet état d'hypnose, de sommeil, eh bien, tout simplement, on peut vous faire rentrer des idées dans la tête. Donc, la psychotronique, en vous bombardant d'ondes, qu'elles soient yin ou yang, parce que plus elles sont serrées, plus elles sont yang, plus elles sont longues, plus elles sont yin. Et donc là, on tombe dans les micro-ondes, ou alors dans des ondes beaucoup plus longues. Ça, c'est une possibilité du côté yang, augmenter l'hyperactivité, vous focaliser sur les choses, respecter des rythmes. On parle souvent de, on devrait manger quand on a faim. Or, le fait de vous imposer un rythme, de dire midi, 19h, etc., ça permet de créer et d'augmenter cet état d'hypnose. Alors bien sûr qu'au niveau sociétal, c'est bien de manger tous ensemble, je dis pas le contraire, puisque ce sont des moments d'échange qu'on peut avoir. Mais on va dire que ça crée aussi un rythme. Et l'autre façon de vous mettre dans un état d'auto-hypnose, eh bien c'est tout simplement d'utiliser ce qui est yin. Donc faire un mouvement très lent, qui va vous mettre aussi dans un état d'hypnose. La peur. Hein. La peur est un grand yin. D'ailleurs, quand j'ai peur, je me fais pipi dessus. Ma vessie lâche par la peur, par la forme d'expansion qui est créée. Et je suis dans un mouvement de trait d'expansion. Hein, je suis plus là. Le but, c'est vraiment de, que vous ne soyez plus là pour qu'on puisse rentrer des informations. Donc, quand vous avez peur, et plus vous aurez peur, plus
on augmente cet état d'hypnose, cet état de rêve dans le rêve. Les poisons chimiques, hein, ces poisons chimiques, ils vont aussi venir perturber tout votre système rythmé par le rêve naturel et ils vont créer un rêve dans le rêve. C'est très intéressant et ça, j'ai pu l'expérimenter de nombreuses fois. Vous faites un repas gargantuesque, vous allez vous coucher et là, vous allez faire des cauchemars. Ce qui est très intéressant de comprendre, c'est pourquoi. Eh bien, tout simplement parce que votre sang va être empoisonné. Et quand votre sang est empoisonné, ça empoisonne vos neurones et ça crée un rêve à l'intérieur du rêve. Donc, les poisons, tout ce qui est chimie, vont vous perturber et vont créer des formes d'énergie. Et notamment, je pense aux alcaloïdes, hein, puisque ces alcaloïdes sont très, très puissants et créent une forte expansion à l'intérieur du corps. Eh bien, ils vont permettre, encore une fois, de vous mettre dans un état d'ouverture à tout ce qui peut vous être suggestionné. Alors, bien sûr que cette hypermatérialité, hein, elle appelle, comme je vous l'ai expliqué dans une autre conférence, Yang appelle Yin, Yin et Yang s'attirent, donc on va tomber un petit peu plus dans la drogue. Cette drogue est encore une expansion au niveau du cerveau. Donc, on atteint des niveaux de sommeil, quelque part. On est mis en sommeil par rapport au cycle yang de la vie. Et on va encore pouvoir informer plein de choses. Et bien sûr, on tombe sur des ondes. Ah, j'ai oublié l'alcool. Bah oui. Quand vous travaillez beaucoup, quand vous êtes dans des rythmes effrénés, eh bien, vous allez chercher un état d'équilibre. Ça, c'est la nature et ses yin et yang et ses lois. Eh bien, vous allez boire de l'alcool. Quand vous buvez de l'alcool, vous sortez votre esprit un petit peu du corps, comme pendant votre sommeil, et là, on peut commencer à influencer aussi tout ce qui se passe à l'intérieur de votre tête. Je vous rappelle que quand vous faites un cauchemar, il peut vous poursuivre quand même toute la journée, hein. Fares racontait des pathologies de personnes qui en fait ont eu un rêve très fort, et ce rêve est devenu leur réalité. Et en fait, ils n'arrivent pas à en sortir. Donc en fait, quand vous rêvez la nuit, généralement, c'est parce que vous êtes sous une influence de quelque chose. Alors Georges Oshawa racontait que normalement, si notre corps est en bon équilibre, eh bien le sommeil, notre esprit s'en va, le corps se recharge, l'esprit revient, et tout est bien. Pas de rêve. Donc généralement, plus vous rêvez, plus il y a des perturbations au niveau de votre sang ou alors autour de vous, puisqu'aujourd'hui, on sait que il y a d'autres choses qui peuvent nous perturber autour de nous. Donc voilà. Ah si, j'oubliais. Un des plus importants, la télé. La télé, rappelez-vous, quand vous avez beaucoup travaillé, vous posez vos fesses dans vos canapés et vous regardez ce qui bouge devant vous. Donc il est toujours plus confortable de se rééquilibrer aussi d'une activité hyper intense, yang, par une forme très yin d'expansion qui est la télévision. Donc la télévision vous met dans un état d'hypnose, de sommeil. D'ailleurs, combien il y a de personnes qui s'endorment devant la télé, mais quelque part, la télévision vous met dans un état de sommeil. Et alors là, on peut vous balancer tout ce qu'on veut aussi, ça marche très bien. Donc vous voyez, il y a deux formes de mise en état d'hypnose, hein, qui sont utilisés aussi au niveau des professionnels de l'hypnose. Soit vous faites des mouvements rapides, soit vous faites des mouvements lents. Les deux induisent un état d'hypnose par une concentration de l'esprit sur quelque chose. Voilà un petit peu comment on peut créer cet état d'hypnose. Tout est parfait, hein, nous devons aujourd'hui passer par cela. Ça fait partie du jeu qui a été créé par Dieu, Taikyoku, appelez-le comme vous le voulez, le Tao, peu importe, ça n'a aucune importance. Par contre, le fait de commencer à entrer dans une forme de connaissance du jeu qui est autour de vous, de façon la plus simple possible. Plus c'est compliqué, plus votre mental va s'en emparer, et plus vous allez vous emmêler les pinceaux. Revenez toujours à cette simplicité. Et c'est là où le taoïsme est, à mon avis,
une façon de rentrer dans cette observation très intéressante, parce qu'il ne vous parle que du yin et que du yang. Et c'est tout. Et après, on peut parler de tout le reste, c'est possible. Mais une fois que vous avez cette base du yin et du yang, que vous l'avez vraiment intégrée en vous, que vous l'avez senti, que vous l'avez vécu, eh bien, vous pouvez voir le monde sous un autre angle. Comment s'en sortir? Alors, vous ne sortirez pas du rêve de la vie. Parce que le rêve de la vie, ce sont les cycles, ce sont les planètes, ce sont le soleil, c'est le soleil. C'est le fait de se réveiller, de s'endormir. Ce rêve-là, vous n'en sortirez pas. Par contre, vous pourrez le voir. Et quand vous voyez, peut-être que vous en sortez en fait. Par rapport au rêve qui est dans le rêve. Alors ça, c'est au niveau de la société. Ce qu'il faut savoir, c'est que la nature vous donne le rêve de base. Donc, plus vous êtes au contact de la nature, plus sa fréquence, qui est sa fréquence propre, vous tire vers elle. Vous regardez un oiseau qui vole, vous regardez, je me souviens de mes enfants qui regardaient les fourmis ou les gendarmes et qui les observaient. Ça vous met dans un état de rêve, on va dire, de la vie. Et ça vous fait sortir du rêve qui peut être artificiel, ce rêve dans le rêve qui est créé par ceux qui nous entourent. Donc cette histoire, c'est une histoire d'équilibre. C'est une histoire d'équilibre entre ce qui nous est proposé à l'extérieur de façon pas très honnête, mais ça fait partie du jeu, ou de vous rapprocher et de l'équilibrer par la nature. Vous avez le fait d'entrer dans cette forme de connaissance. J'insiste, si vous cherchez par la gnose, par cette connaissance, et si c'est récupéré par votre ego dans une notion de pouvoir, eh bien, vous allez vous emmêler encore un peu plus les pinceaux. D'accord? Vous allez rentrer encore plus dans ce rêve de l'ego. Donc, méfiez-vous de cette recherche de connaissance pour s'en sortir. Il ne faut pas chercher à s'en sortir, il faut chercher à sentir la vie. Et quand on sent la vie, on s'en sort, entre guillemets, sans faire exprès. C'est spontané. C'est pas une volonté de l'ego. Donc, cette conscience, ce qu'on appelle la gnose, hein, qui vous redonne un petit peu la connaissance, eh bien, ça peut effectivement aussi vous sortir du rêve. C'est ce qu'on appelle l'éveil. Et comprenez bien une chose, c'est que bien sûr, on ne peut vous influencer avec la télé, avec les rythmes, avec les émotions, que s'il y a des failles dans votre ego. Donc, qu'il y ait des failles dans votre ego, c'est normal, ça fait partie du rêve, c'est le yin et le yang. Donc, une fois que vous entrez dans la connaissance, vous commencez à sortir du rêve et vous pouvez commencer à voir vos failles. Et puis, si vous voulez vous amuser avec votre ego et que vous avez envie de lui donner un petit coup de main, ok, allez travailler vos failles. Je dis travailler, c'est pas les travailler, c'est vraiment un système de rééquilibrage énergétique qu'on fait au niveau de nos traumatismes. Mais ne faisons pas les choses à l'envers. Du moins, je pense que c'est une perte de temps. Commençons par l'éveil, commençons par la gnose, commençons par la connaissance, commençons par revenir aux choses simples, à cet arbre, à ces feuilles, et ensuite, je reviendrai vers mon ego si ça fait partie de mon chemin. Mais voilà, ça, il faut bien comprendre, ne vous faites pas piéger par l'ego, ne vous faites pas piéger par une recherche de porte de sortie, parce qu'il n'y a rien de pire, et c'est ce qu'on va appeler le New Age. Hein. L'Oponopono, je vais vous remettre la petite feuille, n'oubliez pas, on privilégie dans le New Age, l'Oponopono inversé, on privilégie le « je ». Regardez combien de fois le « je » est écrit. Alors, je vous ai pas mis la page du livre hein, que j'ai pris sur Internet, j'ai juste réécrit les colonnes, et regardez comment sûrement le message originel était, comme je vous l'ai mis à gauche. Hein. Bon, c'est une interprétation que j'ai faite, hein. Mais je pense que c'est relativement juste. Donc voilà, nous vivons effectivement dans un rêve. Ce rêve, il est créé par les cycles qui influent sur le rythme du cerveau. Et nous vivons une période particulière des cycles
où en fait ce rêve peut être amplifié et d'autant plus fort. Et il y a des petits malins qui sont bien placés là au bon moment, parce que je vous rappelle qu'un cactus ne pousse pas en Amazonie. Donc, s'ils sont là en ce moment, c'est qu'il y a une raison d'être, c'est que c'est favorable. Et donc, ces personnes-là induisent un rêve dans le rêve pour augmenter la matérialité. Voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. J'espère que j'ai été assez clair, même si des fois je répète un petit peu les choses, mais je pense que c'est important de des fois rabâcher un petit peu. Pascal le fait beaucoup mieux que moi. Mais voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. Et puis, réunissez le yin et le yang, ne faites plus qu'un, et voyez un petit peu ce qui va se passer. Ciao, ciao! Comme dans les Marvel, à la fin il y a toujours un petit plus. Donc il y a une chose que je ne vous ai pas dit, c'est pourquoi quand on augmente la stimulation, quand on augmente le yang, eh bien il y a un effet qui est totalement opposé qui va se produire. Eh bien tout simplement, c'est parce que quand on stimule le yang, il y a un moment où votre corps cherche l'équilibre et il va chercher le yin. Donc cette expansion et cet endormissement, donc l'extrême stimulation mène aussi à l'endormissement. Donc vous avez deux façons de provoquer l'hypnose. La première, c'est en hyperstimulant et en ayant une réaction de l'organisme, ou du moins de votre mental. Et la deuxième, bien sûr, se mettre des grands yin qui vous envahissent et qui vous envoient dans une forme d'hypnose. Donc voilà, je reste à votre disposition pour vous accompagner à titre personnel ou au niveau du temple dans ce chemin d'éveil. Et voilà, je vous laisse me contacter quand vous voulez. Et voilà, le drapeau est là. Attention au risque, hein. Ciao, ciao.